Quelle Chine avez-vous vue? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Qui nous entoure, aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. Située dans le sud-ouest de la Chine, Chongqing couvre une superficie de 82 400 km², dont plus de 90% de terrain montagneux. Loin d'être isolée par la topographie, les rivières qui traversent le Sichuan rejoignent le fleuve Changjiang à Chongqing, créant ainsi un débouché sur le monde extérieur. Débutons par le centre-ville de Chongqing, puis explorons une ville dotée d'un réseau de circulation tridimensionnelle unique, avec des viaducs de styles différents, puis apprécions des chefs-d'œuvre d'utilisation de l'espace, avant de terminer en suivant des trains dans un bâtiment. Au cours de centaines de millions d'années, les plaques tectoniques de la Terre se sont rapprochées les unes des autres pour former ces montagnes plissées. Il s'agit de l'une des zones de montagnes plissées les plus typiques au monde, chaque chaîne conservant une certaine distance par rapport à sa voisine. C'est là que se trouve la ville de Chongqing. Avec beaucoup de collines, mais peu de plaines, les habitants locaux doivent descendre et monter tout le temps. Le téléphérique du fleuve Changjiang est apparu dans de nombreux feuilletons et films. La population locale l'appelle l'avion réservé à Chongqing. Le téléphérique permet d'éviter les embouteillages et n'est jamais annulé à cause du brouillard. Mais il est lent. Alors que le métro passe à toute allure, lui maintient sa faible vitesse, ce qui permet aux passagers à bord de bien observer cette ville de montagnes multidimensionnelles. Bangbang désigne généralement des tiges de bambou d'environ 1 mètre de long, mais aussi un certain groupe de personnes, les porteurs de Chongqing. Les changements de cette ville de montagne à l'aide de leurs propres pas. Dans cette ville dénivelée, ils jouent un rôle important dans le transport. La ville a compté jusqu'à 400 000 porteurs, c'est son record historique.
Le caractère franc des habitants de Chongqing est transcrit dans leur passerelle. Afin de mieux s'adapter au terrain local et de faciliter les déplacements, plusieurs passerelles ont été construites. Voici une passerelle étroite entre les immeubles qui relie la route à gauche et le 13e étage de cet immeuble résidentiel à droite. Les gens peuvent ainsi passer du 1er au 13e étage très facilement. Une autre passerelle, à 66 mètres de hauteur, ressemble à deux courbes de niveau. Les habitants du dernier étage peuvent sortir sur la route dès qu'ils franchissent la porte. Avec un terrain plat limité, les gens doivent viser plus haut s'ils veulent poursuivre la vie pastorale. Sur les toits se trouvent des semis de riz, des racines de lotus et des étangs à poissons. Ici, les habitants profitent de la joie des récoltes sans même quitter le bâtiment. Outre les champs, la cuisine de rue s'élève aussi au-dessus des nuages. Pour y monter, il faut prendre l'ascenseur. Les gens raffolent de ça. Les enseignes au néon qui caractérisent les échoppes sont suspendues dans les airs de cette rue repliée. Il n'y a pas que les fondues chinoises bouillantes. On retrouve aussi les rires des convives qui se régalent ensemble sur le toit. Sur ce petit toit, on comprend la vérité de la vie en compagnie de ses amis. Les habitants de Chongqing ont un sens inné de l'utilisation de l'espace et ce bâtiment sur pilotis est leur carte de visite. Près de 600 pièces sont empilées les unes sur les autres pour former non seulement un quartier commercial tentaculaire, mais offrir aussi une vue imprenable sur le fleuve Changjiang. À part le bâtiment sur pilotis, ils ont aussi inventé le monorail installé à flanc de colline, en parfaite adéquation avec le relief de la ville. Les métros passent près des immeubles résidentiels, parfois sur leur toit et même à l'intérieur. Les habitants n'ont d'autre choix que de faire monter et descendre les voies ferrées. Lors de la conception du monorail, un immeuble résidentiel était sur le point d'être construit. La coexistence était le seul choix possible. L'espace au-dessus du 8e étage est destiné à l'habitation et le reste à la gare. Les métros entrent en gare toutes les 3 minutes. Les habitants de l'immeuble ne sont pas dérangés par les trains qui circulent sous leurs pieds, car les trains sont équipés de pneumatiques pour réduire le bruit au maximum. Cela minimise ainsi l'impact sur les voisins. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez le bruit du mahjong juste à côté de la voie ferrée. Ce bâtiment résume bien l'inclusivité de la construction urbaine. Dans cette ville de montagne, la sécurité routière est une priorité absolue. Les voitures jaunes à carrés noirs et blancs sont les plus visibles.
Dans les zones brumeuses, la couleur jaune vif fait ressortir les voitures de la brume. Grâce à ces mesures de sécurité, les taxis peuvent circuler dans les rues pour emmener les passagers à destination rapidement. En raison du relief de Chongqing, de nombreux ponts ont un aspect quelque peu inhabituel. L'échangeur de Sujiaba est relié à l'extrémité nord du pont Taiyuanba, qui enjambe le fleuve Changjiang jusqu'au pont Sujiaba. Conçu comme une structure en boucle d'un rayon de 100 mètres, il relie avec succès le pont Taiyuanba à la rive sud. Il est assez effrayant de conduire dans un virage situé à 72 mètres de hauteur. L'échangeur de Sujiaba détient toujours le record de zéro accident de la route depuis son ouverture à la circulation. En raison des montagnes, les routes sont étagées. Même avec l'aide d'un système de navigation, les conducteurs qui arrivent jusqu'à Chongqing peuvent manquer les bonnes sorties en roulant sur cet échangeur. Mais les habitants locaux qui le connaissent bien peuvent trouver les bonnes sorties en regardant les panneaux orientés vers la droite ou vers la gauche. Auparavant, on devait faire un énorme détour pour traverser la montagne, mais l'échangeur de Panlong accorde désormais un accès plus facile vers l'est. Dans le dialecte de Chongqing, Huo Lu signifie le travail. C'est parce que Lu signifie route. Avec plus de routes, il y a forcément plus d'emplois. En plus d'être une ville de montagne tridimensionnelle, Chongqing a d'autres facettes fantastiques. Partons du sud-est de la ville vers le nord-est pour découvrir les traces laissées par les mouvements de la croûte terrestre au cours des siècles. Ensuite, explorons les reliefs moulés et rendons visite aux indigènes vivant sur des falaises dans les montagnes. Le turquoise est la couleur du fond de la rivière Wujiang. Depuis sa source jusqu'à sa confluence avec le fleuve Changjiang, elle reste toujours proche des zones de karst. Les montagnes constituées de roches carbonatées ont peu de sable. La rivière Wujiang est turquoise, même lorsque les montagnes sont inondées pendant la saison des pluies. Elle semble calme, mais tourne soudainement vers le nord après son entrée dans Chongqing, comme si elle était déterminée à remodeler les montagnes elles-mêmes. Le temps peut tout effacer, mais ce n'est pas pour rien qu'il a laissé derrière lui ses trois ponts naturels. Il y a des millions d'années, des rivières souterraines se sont engouffrées au cœur des montagnes, provoquant leur effondrement. Seuls trois ponts de pierre, situés à des centaines de mètres de hauteur, ont survécu. Tout comme les ponts construits par l'homme, ces ponts naturels ont besoin d'être entretenus. À la fin de la saison des pluies, pour assurer la sécurité de tous, ces hommes araignées doivent enlever les pierres détachées avant l'arrivée des touristes. Travaillant à des centaines de mètres de hauteur, ils doivent être prudents, méticuleux et rapides. Thank you.
C'est une course contre la montre. Deux heures plus tard, le premier groupe de touristes arrive. Ils peuvent maintenant s'amuser sans se soucier de leur sécurité. Ces montagnes nous montrent que les mouvements de la croûte terrestre sont fréquents. Lorsque de vieilles roches s'effondrent, de nouveaux pics naissent. Destruction et création s'alternent. Les trois ponts naturels représentent ce qu'est le relief karst dans sa jeunesse. Mais alors, à quoi ressemble-t-il lorsqu'il est vieux? La réponse se trouve peut-être dans un alpage caché dans la forêt, à moins de 10 km des trois ponts naturels. C'est à cela que ressemble le relief karst dans sa vieillesse. Au fil des siècles, ses arêtes et angles s'usent et ses pentes s'adoucissent. Le mont des Fées est connu pour son climat frais en été. En août, lorsque la température n'est que de 20 degrés, de nombreux touristes viennent ici pour échapper à la chaleur de l'été. Les habitants locaux sont plus qu'enthousiastes à l'idée de profiter de la fraîcheur en été. Ici, le relief karst a perdu son caractère dentelé, mais dissimule ses arêtes et coins sous ses pentes ondulantes. C'est un endroit idéal pour embrasser le vent et la pluie, ainsi que pour entendre le retentissement du monde. Le temps peut niveler totalement les pics, mais aussi transformer les plaines en sommets. L'orogenèse himalayen couronne les montagnes d'Alo du mont Jinfo. Mais contrairement à la plupart des pics, il est plat au lieu d'être pointu. C'est pourquoi les géologues l'appellent la montagne karst table. Lorsque la mousson chaude de l'océan rencontre l'air froid au-dessus du sommet, un morceau de nappe blanche le recouvre. Sous les nuages poussent des bambous carrés, une plante aimant l'humidité. Son corps est rond, jeune, mais devient carré en grandissant. Les zones karstes sont stériles, mais les bambous carrés sont nourris par la manne de la nature grâce aux nuages et à la brume dérivant à travers les montagnes. La montagne table et les bambous carrés sont parfaitement assortis. Les pousses de ce type de bambou ont également leur propre personnalité. Elles ne surgissent pas au printemps. La première pluie de l'automne est le signal de leur croissance. Les villageois se rendent en groupe au sommet de la montagne. Leur destination est la bambouseraie. Ils doivent escalader la falaise, car c'est le seul chemin qui les mène à ce mets unique. Trois heures plus tard, ils atteignent la bambouseraie. Ils marchent sur les bambous et les arrachent. C'est ainsi que l'on peut récolter ce délice à main nue. Mais chaque instant compte, car ils ne sont disponibles que pendant un mois. À Chongqing, c'est un avant-goût de l'automne indispensable. Comme l'a écrit Li Bai, le grand poète de la dynastie des Tang, les rives sont bruyantes des tristes adieux des singes. Mon esquif a laissé d'innombrables montagnes au loin. Cette gorge ne reste jamais tranquille. Les sommets peuvent être fatigants, mais l'eau est déterminée à se frayer un chemin en rugissant. Lorsque le fleuve quitte la gorge, le bruit de l'eau se répercute autour du précipice.
En fait, il s'agit d'amplificateurs si efficaces que les singes vivant sur les falaises s'en servent comme mégaphones. Le moindre son se répercute dans les montagnes. Ainsi, même si vous entendez une voix, vous ne saurez pas avec certitude d'où elle vient. En fait, les gens ne voient les singes qu'à l'heure des repas, lorsqu'ils se précipitent dans les montagnes, prêts à tout pour remplir leur estomac vide. Mais grâce aux éleveurs professionnels, ils n'ont plus à se soucier de la faim. Même si un aller-retour leur prend 4 heures, les éleveurs n'ont jamais manqué d'emmener de la nourriture au cours des dernières décennies. Le sifflet est un signal qui indique aux singes qu'ils sont en sécurité ici. Une fois entendu, les convives se précipitent depuis les profondeurs de la forêt et commencent à manger. L'eau qui coule a fait de cette gorge un endroit fantastique. Avec les singes qui crient sur les deux rives, les voyageurs ont l'impression de rencontrer l'Ibaï en traversant le gouffre du temps et de l'espace. Maintenant, entamons une nouvelle étape de ce voyage en amont du fleuve Changjiang pour découvrir des montagnes spectaculaires et participer à un grand festival de Chongqing. Ensuite, allons dans la patrie des tiges de moutarde marinée et essayons-nous au plus grand sport fluvial de Chine. La vapeur transportée par la mousson depuis l'océan avance et est bloquée au bord du bassin du Sichuan. Le mont Wushan la bloque et la transforme en nuages et en pluie. Le pic Shennu est le plus célèbre des 12 pics du mont Wushan. Il n'est pas aisé de savoir à quoi il ressemble. Le seul moyen est d'attendre patiemment. Lorsque le pic est enveloppé de brume, il est préférable de s'en éloigner afin de ne pas détruire sa beauté brumeuse. Notre mère nature a fait de la pluie et des nuages les meilleurs partenaires du Shennu. Chaque fois que les gens viennent dans le mont Wushan, ils pensent à ce poème. Aucune eau n'est assez immense quand on a traversé la mer. Aucun nuage n'est beau, sauf celui qui couronne le sommet. Contrairement aux montagnes et aux pics naturels, les montagnes artificiellement créées doivent être douces. Pour créer un terrain plat dans un endroit aussi montagneux, il a fallu niveler 7 pics et combler 6 vallées. Comme les nuages et le brouillard sont présents toute l'année, voici à quoi ressemble un aéroport féerique. Malgré le brouillard et les nuages, il bénéficie toujours d'un large champ de vision grâce à sa hauteur. Depuis que l'aéroport Wushan est ouvert au trafic aérien, les passagers ont une vue d'oiseau sur les trois gorges. Le fleuve Changjiang est destiné à rejoindre la mer. Mais sur son chemin vers l'est, il se heurte à un adversaire redoutable, le mont Wushan. Le Changjiang doit faire des efforts pour se précipiter hors du bassin du Sichuan. Dans la
la gorge de Tutrang, le fleuve Changjiang, en quittant le plateau Qinghai-Tibet, est rétréci par les falaises verticales des deux rives. Ici, les falaises sont comme une porte. C'est l'endroit le plus précipité et le plus imprenable de la voie navigable du fleuve Changjiang. Au cours de l'histoire, durant les guerres, plusieurs dynasties ont fermé les voies d'eau en enchaînant les fleuves. Aujourd'hui, on trouve encore des traces de la guerre à Kuemen. Mais les chaînes de fer ne peuvent plus bloquer les bateaux. Depuis que le réservoir des Trois Gorges a commencé à stocker de l'eau, le niveau de l'eau a augmenté, établissant une nouvelle connexion entre la terre et la mer. Les conteneurs transportés depuis la mer le long de la voie navigable du fleuve Changjiang en sont la meilleure preuve. Les Trois Gorges ne sont plus un endroit dangereux. Le projet des Trois Gorges en a fait une véritable voie d'eau dorée. En s'éloignant des gorges, il est temps de continuer à avancer. Voici Fangdu, un district de migrants. Fangdu a une histoire de plus de 1000 ans, mais à l'origine, il n'était pas situé au sud du fleuve Changjiang, mais au nord. Depuis septembre 2001, tout le district a été déplacé de l'autre côté du fleuve Changjiang pour faire place au projet des Trois Gorges. Les habitants de Fangdu ne sont pas les seuls à avoir été déplacés. Au cours des 18 dernières années, plus d'un million de personnes ont été déplacées pour le projet des Trois Gorges. Aujourd'hui, 13 nouvelles villes modernes ont vu le jour dans la région du réservoir. Malgré leur déménagement, les habitants ont gardé leur passion pour la culture folklorique traditionnelle. Lors de la fête des fantômes, ils traversent le fleuve Changjiang et se rendent au sommet du mont qui abritait leur ancienne maison pour participer à ce grand événement. Cette fête n'est pas seulement une journée de commémoration des défunts, mais aussi une occasion de dire adieu au passé et d'embrasser l'avenir avec espoir. Le long du fleuve Changjiang pousse une plante vedette, la moutarde à grande tige. En tant que plante hivernale, la vallée froide et brumeuse de la rivière est l'endroit idéal pour sa croissance. Chaque année, sa récolte annonce l'arrivée du printemps. Elle doit être terminée très rapidement, car ensuite vient le processus de séchage qui prend du temps. Après 2 semaines de séchage à l'air libre, les tiges sont complètement déshydratées. Les tiges de moutarde marinée qui en sont issues ont alors un goût croustillant. Les tiges de moutarde marinée produites à Fuling sont expédiées le long du fleuve Changjiang à destination des tables du monde entier. Les gens peuvent déguster ce qui est largement considéré comme l'un des 3 meilleurs légumes salés du monde, avec la choucroute allemande et le cornichon européen. Le plongeon en hauteur n'est pas un sport réservé aux JO d'été. En fait, les Trois Gorges en hiver sont l'un des meilleurs endroits pour le pratiquer. Tant que les gens aspirent à être compétitifs, quelques pas suffisent pour leur donner l'occasion de montrer leurs compétences. C'est un jeu réservé aux courageux.
Ceux-ci tiennent compte des listes de difficultés et des règles. Les plongeons en solo ou en groupe sont possibles et le bonheur persiste, quel que soit le froid. La natation hivernale est également l'un des sports les plus économiques pratiqués le long du fleuve Changjiang. Même le vestiaire peut être épargné, car un simple sac en tissu fait à la main suffit. À la tombée de la nuit, les nageurs allument la lampe de leur gilet de sauvetage pour se faire connaître des bateaux qui passent. Ils doivent toujours garder à l'esprit le principe de sécurité. Situé dans l'arrière-pays chinois, Chongqing se trouve à plus de 1000 km de l'océan. Cela n'en fait pas pour autant une ville fermée. En fait, elle distribue des marchandises dans le monde entier et le chemin de fer Chongqing-Xinjiang-Europe s'étend jusqu'à l'Eurasie. Les liaisons routières que l'on y trouve sont devenues un atout pour son développement. Grâce à la restructuration et aux changements qui ont eu lieu dans la région du réservoir des Trois Gorges, les cargos de 10 000 tonnes peuvent s'arrêter au port de Guoyuan. Dans le même temps, les millions de résidents relogés ont apporté une contribution importante au développement de l'ouest de la Chine. En 1997, Chongqing est devenue une municipalité relevant directement de l'autorité centrale, multipliant sa superficie par environ 3,5. 25 ans après, en 2022, elle accueille aujourd'hui la plus grande industrie d'information électronique au monde et la plus grande industrie automobile de Chine. Grâce aux efforts de plusieurs générations, la ville n'a cessé d'avancer et de se renforcer, tout comme le fleuve Changjiang qui coule sans cesse. Désormais, rendons-nous sur le fleuve Jialing pour découvrir des sources d'eau chaude sauvage. Ensuite, allons en moto jusqu'à une montagne des sources chaudes où nous profiterons de l'air frais produit par un système de climatisation unique avant de longer le fleuve Jialing et d'admirer le paysage à l'endroit où deux fleuves se rejoignent. C'est une ville flottant sur une source d'eau chaude. À Chongqing, prendre un bain thermal n'est pas réservé à la haute société, c'est un plaisir commun apprécié par les gens ordinaires. Ces sources d'eau chaude au bord du fleuve Jialing sont généralement appelées sources d'eau chaude sauvage. Malgré leur aspect simple, elles restent populaires. Ces paysages fluviaux enchanteurs attirent les habitants de Chongqing qui adorent l'eau. Pendant la saison des inondations, les sources d'eau chaude sauvage disparaissent, cachées sous les torrents. Cependant, dès que l'inondation se retire et que les sources chaudes réapparaissent, les gens saisissent la moindre occasion pour en profiter malgré la canicule estivale. Chongqing possède un grand nombre de sources d'eau chaude naturelle, avec 100 000 mètres cubes d'eau de sources chaudes qui s'écoulent chaque jour dans la ville. Juste à côté du fleuve Jialing, un grand événement pour les motos est en préparation. Montagneuse, Chongqing n'est pas idéal pour les vélos. C'est pourquoi, avant la généralisation de l'automobile, les motos étaient les reines des routes. Aujourd'hui, les motos ne sont plus non seulement un moyen de transport, mais des montures de fer sur lesquelles des motards experts réalisent des cascades incroyables à l'extérieur de la piste de course de l'exposition internationale de motocycles de Chine, Sima Motor. Les motards se relaient pour faire des roues avant, des roues arrière,
des dérapages, etc. C'est un endroit où les gens se font des amis grâce à leur passion commune pour les deux roues. Quel hommage à une ville accueillante pour les motards. Malgré le temps qui passe, certains paysages restent inchangés. Par exemple, cet hôtel des compatriotes est un lien qui réunit les coutumes de plusieurs endroits. Il présente des caractéristiques architecturales de l'ancienne province du Ruguang, montrant la nostalgie des migrants. Avec leur apport à la cuisine épicée, les habitants de Chongqing s'adaptent au goût piquant. Marquée par le goût brûlant et gras, la cuisine de Chongqing intègre les spécialités de tout le reste du pays. Cela montre le caractère chaleureux et franc des habitants locaux. À Chongqing, dans une rue, on peut trouver des dizaines de restaurants de fondue. Les habitants locaux intègrent leur amour pour la fondue dans leur vie quotidienne. Divers ingrédients fusionnent dans une marmite à feu vif, et que ce soit le froid hivernal ou la canicule estivale, un repas autour d'une fondue est toujours agréable. La fondue est un aliment inclusif qui rassemble les gens et les invite à partager leurs sentiments dans une ambiance chaleureuse. Cette ambiance animée est bien plus précieuse que le goût lui-même. Ce restaurant de fondue, avec ses 999 tables, est complet. À Chongqing, il faut savoir accepter le degré épicé des plats ou renoncer le moment venu. Le défi de la population locale face à la chaleur se limite à la consommation de fondue en été. Mais en réalité, leur désir de fraîcheur à cette époque de l'année est inimaginable. Les tables de mahjong et les canaux pneumatiques peuvent être transformés en flotteurs sur la rivière tout au long de l'été. Les gens se cachent à l'ombre des arbres, tandis que les minces ruisseaux s'écoulent et que la chaleur est dissipée par la rivière. Cette façon écologique de lutter contre la chaleur permet à la rivière Heishuaitan d'être très populaire. Outre les berges de la rivière, le Grand Théâtre offre également une excellente solution pour lutter contre la chaleur. Même en prenant l'avion pour le chercher, il est difficile de repérer l'extérieur climatisé de ce théâtre de verre. Grâce à la différence de température naturelle entre les eaux du fleuve Dialing, ces bâtiments publics ont été équipés de climatiseurs à eau, une manière écologique de fournir de l'énergie. Vous avez certainement entendu parler de l'abréviation officielle de Chongqing, U. Le fleuve Dialing, un affluent du fleuve Changjiang, nourrit les habitants locaux. Ces derniers l'appellent donc Yushui. Son bassin versant est le plus grand du fleuve Changjiang. Leur rencontre est devenue une source d'inspiration culinaire. C'est en voyant cela qu'ils ont créé la fondue Yuanyang à double saveur. Depuis, une fondue comporte à la fois un bouillon épicé et un bouillon clair.
Mais l'harmonie des deux grands fleuves ne dure pas longtemps. Après plusieurs kilomètres, les eaux du fleuve Dialing perdent leur identité et se fondent dans le Changjiang. Admirons pour cette dernière étape diverses constructions le long du fleuve Changjiang, puis visitons un monument en hommage aux martyrs révolutionnaires et regardons l'un des ponts les plus hospitaliers. Puis, en tant que grand final, escaladons un gratte-ciel. L'histoire a laissé de nombreuses traces à Chongqing, dont certaines sont gravées sur les montagnes. Les statues des grottes, un chef-d'œuvre créé par des artisans de 5 dynasties, représentent le plus haut niveau de l'art mondial des grottes entre les 9e et 13e siècles. Le temps a abîmé ces statues, mais heureusement, des réparations sont faites. La préservation des vestiges culturels et de l'histoire revêt une grande importance tant pour le présent que pour l'avenir. L'histoire moderne a également laissé des traces. Il y a un siècle, Chongqing s'est ouverte au commerce, devenant le premier port commercial intérieur de Chine. En peu de temps, les entreprises étrangères et les chambres de commerce ont émergé dans la rue de Nanbin. Aujourd'hui, des bâtiments de style varié font partie de la vie locale, reliant le présent à la longue histoire de cette ville. Une route qui n'a pas de virage n'est pas une vraie route. Le chemin parcouru par cette ville est jonché de souvenirs tragiques. Pendant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, l'armée japonaise a bombardé cette ville pendant 6 années. Pourtant, rien n'a pu faire plier l'esprit tenace de la population qui n'a jamais laissé sa ville natale se rendre. Après la fin de la guerre, les négociations de Chongqing se sont tenues ici. Le Kuomintang et le Parti communiste chinois ont conclu l'accord du double 10. Cependant, moins d'un an après, le Kuomintang l'a rompu et la guerre civile a commencé. Chongqing n'a été libéré qu'environ 2 mois après la fondation de la République populaire de Chine. Après la fondation de la RPC et avant la libération de Chongqing, un certain nombre de communistes qui avaient lutté pour la victoire ont été tués dans ce camp de concentration situé sur cette montagne. Ils auraient dû vivre assez longtemps pour assister à la libération et voir flotter le drapeau rouge à 5 étoiles. Quels que soient les grands changements survenus à Chongqing, ces souvenirs ne seront jamais oubliés. Ce monument commémore un grand nombre de noms et de sentiments. Au milieu des bâtiments modernes, un espace a été réservé à ce monument. À cet endroit, les gens peuvent tranquillement rendre hommage et honorer un esprit d'héroïsme intemporel. Aujourd'hui, les personnes qui vivent ou voyagent ici aiment découvrir cette ville en profondeur. La
La nuit, son passé et son présent sont éclairés par des lumières. À ce moment-là, le pont Tianzemen devient le meilleur endroit pour contempler cette ville de montagne dans toute sa splendeur. Pendant les festivals et les vacances, il est temporairement fermé à la circulation et devient une passerelle piétonne. Les véhicules et habitants de Chongqing cèdent volontiers le pont aux touristes venus de loin. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver le meilleur endroit pour poser l'appareil photo et immortaliser le magnifique paysage. Il s'agit aussi de ressentir l'hospitalité de la population locale qui cède le pont spécialement pour eux. Par chance, le pont Tianzemen a un voisin géant qui semble suspendu dans les airs. Avec une longueur de 300 mètres, il est le plus long gratte-ciel horizontal du monde. Reliant le sommet de quatre gratte-ciel, il fait office de structure antisismique pour garantir l'intégrité de ces bâtiments surdimensionnés. Si l'on considère la péninsule de Yuzhong comme un bateau et ses grandes tours comme une voile, on comprend pourquoi la population locale appelle ce complexe immobilier Chaotian Yangfan, prendre la mer depuis le port de Chaotianmen. Mais un bâtiment construit dans les nuages doit faire attention au soleil. Son toit est composé de deux matériaux. Les parties orientées vers l'est sont en verre. Les parties orientées vers l'ouest sont constituées de plaques d'aluminium pour se protéger de l'éblouissement l'après-midi. Il est difficile de garantir la transparence du bâtiment qui doit être entretenu en permanence. Lorsque la ville est encore calme, certains se trouvent déjà à 270 mètres de haut, occupés à nettoyer le verre, pour offrir une meilleure vue aux habitants de l'immeuble. Juste en bas de la voile géante, c'est là que la ville commence. Aujourd'hui, doté d'un complexe immobilier moderne, le port de Chaotianmen, l'ancienne porte de la ville, est l'endroit où la ville a commencé à se développer au bord de l'eau. Chaque navire qui y fait escale apporte une nouvelle convergence, conférant à la ville un sentiment d'appartenance. Avec les montagnes comme colonne vertébrale et les rivières comme artère, Chongqing s'épanouit et prospère dans un esprit d'ouverture. La plus jeune municipalité relevant directement de l'autorité centrale a déjà pris le large. Comme le décrit un autre poème de Li Bai, le temps viendra fendre les vagues au gré du vent. Alors je hisserai les voiles et franchirai les vastes étendues marines. Voici la meilleure description pour Chongqing. «